Dans le cadre de notre année de la lumière, nous voici avec un nouveau rendez-vous sur Bressuire, sur la ville de Bressuire, au château et dans la coulée verte. Une nouveauté qui s'intitule les errances estivales. Alors, les errances estivales, c'est quoi? Eh bien, les errances estivales, ce sont des déambulations par groupe de 30, deux rendez-vous, le 28 juillet et puis le 20 août. Objectif des errances estivales, vous faire découvrir certains endroits un petit peu cachés ou méconnus du château, mais aussi de la coulée verte et de ce qu'il y a autour. Déambulation, mais pas seulement, puisqu'il y aura aussi ce qu'on appelle des surprises artistiques. Alors évidemment, on ne peut pas tout vous dire de ce qui va se passer lors de ces déambulations, mais il y aura sans doute du théâtre, peut-être aussi de la musique, peut-être aussi des choses un petit peu bizarres qui pourraient surprendre. C'est le principe de déambuler, d'avoir des stations artistiques qui vous attendent. Vous serez emmené en plus par des guides lors de ces déambulations, et ça sera dans une ambiance un petit peu particulière, puisque ça sera à la tombée du jour, entre chien et loup, comme l'indique l'expression. Donc un univers un petit peu particulier pour découvrir ou redécouvrir le château et la coulée verte. Donc deux rendez-vous, le 28 juillet et puis le 20 août, avec deux départs chaque soir, 20h et 20h30. Alors attention, c'est sur réservation, donc on vous conseille fortement de téléphoner pour réserver. Voici un numéro que je vous donne, 05 49 80 49 86, qui est le numéro du service animation événementiel. Je vous le redonne, 05 49 80 49 86. Ne manquez surtout pas ce premier rendez-vous des errances estivales au château et dans la coulée verte de Bressuire.